Les volleyeurs tourquennois ont repris le chemin de l'entraînement ce lundi matin avec un nouvel entraîneur et une équipe largement remaniée. Le TLM espère bien effacer le mauvais souvenir de la saison dernière et la relégation en Ligue B pour remonter tout de suite en Ligue A. Après 22 ans passés au plus haut niveau français, les tourquennois n'ont pu échapper à la descente l'an dernier et devront donc batailler dur cette saison pour remonter. Le premier match est programmé le 6 octobre avec un derby déjà face à Cambrai. Nous étions ce mardi matin à l'entraînement avec les joueurs et le nouvel entraîneur Olivier Leca au micro de Marion Bérard et de Chloé Viremblevski. C'est une équipe qui a vécu une saison difficile, qui a été rétrogradée sportivement en Ligue B, donc le challenge est le plus rapidement possible d'essayer de reconquérir l'accession à la Liga en faisant une saison complète qui va être compliquée, parce que la Ligue B c'est ce qu'on appelle nous un peu la jungle. Il y a beaucoup de prétendants, beaucoup d'équipes d'un très très bon niveau, donc il faut reconstruire un nouveau groupe. Il y a eu beaucoup de départs, beaucoup de mouvements à l'intersaison, donc il faut reconstruire un nouveau groupe, essayer de trouver l'équilibre très rapidement pour être performant et surtout régulier sur la saison.